Branchez-vous sur Croisticoaliri et vous attendra au rendez-vous. La révélation des mystères cachés de la Bible. Église en ligne, le culte, l'adoration et la prédication du jour en direct. De l'exhortation et du réconfort spirituel. Demandez une requête de prière. La Bible audio et musique en toutes les langues. La compréhension biblique de l'actualité, des prophéties, et des signes de temps. La démystification des fausses églises et doctrines. Attachement à la saine doctrine. Et enfin, venez suivre les enseignements bibliques d'une profondeur et précision à vous couper le souffle. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Seigneur Jésus-Christ. Vous avez salué un petit peu avant de Jésus-Christ. Amen. Où est-ce que vous êtes dans la joie? Êtes-vous dans la joie? L'Écriture dit, et je sais vous toujours dans les Seigneurs. Maintenant, c'est moi, vous ferez dans la joie. Sans plus tarder, nous prenons l'Écriture. Vila, Bukawa, Tandé, Mandé. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11. Tout comme Kitabu, Tchamwanzo, Sura, Kumina, Moja. Le verset 2 à 3. Nous lisons. Tout seul. Parti de l'Orient. Quenda, toka kumashariki. Il trouvait lui une vallée au pays de Shinéa. Akakuta bonde ku nchi ya Shinéa. Il s'y habitait. Akaketi kule. Il se dit l'un à l'autre. C'est-à-dire, ils se sont consultés au lieu de consulter Dieu. Allons, faisons des briques. Cuissons-les au feu. La brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Nous prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 1 au deuxième verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'entendement des chants. Ok, je pense que nous sommes de la joie parce que le Seigneur est avec moi. Et je dirais que ce soir, nous n'avons pas la crainte de vous donner la matière parce que nous croyons que vous êtes un peuple qui est enseigné. Mais avant de toucher le sujet, je vais d'abord faire une petite broderie. Et après, je toucherai le sujet. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Le verset 3 à 4. Là, le Seigneur donne une promesse au sujet de ceux dont les cœurs sont troublés. Je ne sais pas ce soir s'il y a des gens dont les cœurs sont troublés. Mais si ce soir, si ton esprit est abattu et si ton cœur est troublé, comprenez que Dieu, c'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui donne des promesses. Il n'est pas comme les hommes. Les hommes peuvent promettre sans réaliser. Mais quand Dieu promet, il veille toujours sur sa promesse. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Moi, l'Éternel, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Là, c'est une bonne promesse, vraiment. À d'autres termes, dans d'autres choses, c'est le Seigneur lui-même qui doit venir pour nous donner la solution. Et il a donné la promesse. Et nous devons avoir confiance totale sur les promesses
Christ Seigneur. Na tunapaswa kuwa na kitumaini kamili kwa maji ya Bwana. D'ailleurs la confiance totale sur ses promesses c'est ce qu'on appelle la foi. Kitumaini ya kuendeana kwa ile hali ndio ile tunaita imani. Je peux exemple. Patia mfano mmoja. Israël sorti de l'Égypte. Israël anatoka ku Misri. Il est sorti par le sacrifice de l'agneau. Anatoka kupitia sadaka ya mwana kondoo. Et il marchait vers Canaan. Walikuwa wanatembea kwenda Canaan. Pour Israël, Canaan c'était comme le sommet de la montagne. Dieu à Israël, Canaan alikuwa kama vile chombo ya mlima. C'est-à-dire la position de l'Égypte et de Canaan, Canaan était considéré comme étant le sommet de la montagne. Maana yake kutoka Misri hali ya Misri na Canaan ilikuwa kama chombo ya mlima. Parce que dans le livre d'Exode chapitre 33, kwani kitabu ya Kutoka sura 35 verset 2 à 3, mstari wa 2 mpaka 3, Dieu dira à Israël, Mungu akaambia Israël, montez à Canaan. Pandeni kwenda Canaan. En d'autres termes, lorsqu'ils sont sortis, maana yake wakati walitoka, ils étaient en train de monter. Walikuwa wanaenda na kupanda. Ils se dirigeaient vers le sommet de la montagne. Walikuwa wanaenda ku chombo ya mlima. Ils se sont arrivés quelque part. Wakafika basi moja. C'était à Kadesh Barnea. Ilikuwa ni Kadesh Barnea. Là nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Tuko kitabu cha Hesabu sura 13 na sura 14. À Kadesh Barnea. Ufika ku Kadesh Barnea. Moïse dira, Musa kasema, nous ne pouvons pas entrer dans un pays que le peuple ne connaît pas. Sisi hatuwezi kuingia mwinchi ambaye taifa le peuple ne peut pas entrer dans le pays qui ne connaît pas. Kwani taifa hawezi kuingia mwinchi ambaye abajui. Pour entrer dans le pays, tu vas kuingia mwinchi. Il faut d'abord qu'on vous donne la connaissance de ce pays. Inabidi balipatie ufahamu ya ile nchi. C'est ça le rôle du ministère. Ndio kazi ya huduma. Le ministère donne au peuple la connaissance du pays. Huduma inaleta kwa taifa ujuzi ya nchi. Parce que le peuple ne peut pas être aveugle par rapport au pays où il va entrer. Kwani taifa hawezi kuwa kipofu kufuatana na nchi kwa sababu kwa Kadesh Barnea était aussi comme les bas de la montagne. Ni kwa maana Kadesh Barnea alikuwa kama vile kumiguu. Ili ulikuwa choisir les espions. Na Musa akachagua wapelelezi. Le 12 espions qui devaient monter à Canaan. Wapelelezi 12 walipaswa kupanda Canaan. L'image de ceux qui assistent au conseil de Dieu. Picha ya wale mbegu naenda kuingia kushauri ya Mungu. Le Seigneur réserve toujours des bonnes choses pour son peuple. Akasema hakika wamele kuna chumbe kuna chungia matuka hivi vizuri. C'est un bon pays. Kwani ni mchi mzuri sana. Hichi ambayo kuna vuya sana na maziwa. Mais il fallait un témoignage. Bali ripose ushuhuda. Ile témoignage il devait tenir le fruit du pays. Na ushuhuda ipasi tumie kwa Mungu. C'est ce fruit qui devait sortir du sommet de la montagne. Il passe kutoka kule kuchoma mlima. Le fruit qui devait venir du ciel. Avec sa cousine Elisabeth. Na ndugu yake mwanamke Elisabeth. Lorsqu'ils se sont rencontrés, walipokutana, Elisabeth va s'écrier, Elisabeth akalalamika, le fruit qui est dans ton sein est béni. Tunda iko ndani ya tumbo yako ya Marie. Le fruit qui est dans ton sein Marie est béni. Tunda inakuwa ndani ya tumbo yako Marie. Na fruit dont parlait Elisabeth, ile tunda Elisabeth alisema, c'était tout un homme.
le Seigneur Jésus-Christ qui était dans le monde. Mais ce n'est pas n'importe quel fou. Parce que Jean chapitre 6 dit, Jésus le fruit qui est venu du ciel. Si vous avez le fruit, vous avez la vraie parole, vous avez le Seigneur Jésus, vous avez la Jésus, avant d'entrer dans le ciel, vous devez d'abord écouter le ciel. Ça c'est très important. Mais il y avait des espions qui ont découragé le peuple. Vous savez, l'œuvre du ministère, ce n'est pas pour décourager le peuple. L'œuvre du ministère, quel que soit le temps et les circonstances, doit donner l'espoir et l'espérance au peuple. Le ministre ne se fie pas dans les émotions. Il n'agit pas devant les problèmes. Quel que soit le problème, quel que soit les difficultés, même si le peuple est en train de pleurer, les autres ont découragé le peuple. Vous voyez dans ce pays-là, nous avons trouvé des géants, les fils d'Anak. Nous avons vu les chars de fer. Le pays est bon. Il y a quoi, il est difficile d'y accéder. Ça c'est grave. Alors que la promesse disait, par Abraham dans Genèse chapitre 15, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi Josué et Caleb, ils se sont fiés à la promesse. Ils se sont confiés à la promesse. Quelle que soit la présence des fils d'Anak, quelle que soit la montagne qui s'élève, quelle que soit le char de fer, nous, Josué et Caleb, nous sommes avec eux. La confiance totale qui tout maïka dans la promesse du Seigneur. Je pense que ce soir, ceux qui ont la foi, le Seigneur se manifestera dans leur vie. Pas demain, ce soir, il y a la foi avec et par rapport au problème. Il faut que vous ayez pas ton problème, quelle que soit la difficulté, le Seigneur se manifestera. Maintenant nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Nous entrons dans notre sujet. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons arroser ce que aussi le prophète Kiala avait parlé hier. Nous sommes toujours dans cette pensée-là. En lisant 1 Corinthiens chapitre 15, c'est Paul qui parle là. Il dit ceci, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement, vous auriez cru en vain. C'est comme premièrement, nous constatons
L'évangile s'annonce par rapport à ses propres termes. C'est selon les termes. Vous voyez, notre évangile a ses propres termes. Car ces termes, on peut l'identifier facilement et ça, c'est notre évangile. Maintenant, regardons. Selon Paul, si une église, un peuple, une personne, Moutou, et rejette son enseignement, cette personne, ou les Moutou, cette église, il est Kanisa, a cru en vain. Il a cru d'amour. Vous voyez, il y a deux types de croyances ici. Ceux qui ont cru sincèrement et qui sont appelés à être sauvés par rapport à l'enseignement de Paul. Je commence alors par là. Il y a d'autres qui rejettent l'enseignement de Paul. Toutes les églises qui rejettent l'enseignement de Paul. Selon Paul, ces églises-là, ces peuples-là ont cru en vain. Vraiment, ça c'est grave. Hein? Pour dire tout simplement, il y a beaucoup vraiment qui ont crié en vain. Si vous entrez quelque part, pour identifier ceux qui ont la foi véritable, qui ont crié réellement, il faut chercher est-ce que Paul est là. Amen. C'est ça d'abord le premier exercice. Amen. Ceux qui ont crié sincèrement, il faut d'abord vérifier est-ce que Paul est là. Vous voyez dans cette église, la femme est pasteur, la femme est apôtre, la femme est bishop, la femme est bishop. Quel que soit le nombre, quel que soit le nombre des gens, parce qu'ils ont rejeté Paul. Donc ils disent non, ça c'est Paul. Nous allons nous réfugier chez Pierre. C'est ce qu'ils disent, non, ça c'est la pensée de Paul. Il est Paul, Pierre. Mais quand vous regardez ces gens-là, qui vont se réfugier chez Pierre, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est que Pierre n'a pas enseigné. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit était descendu, dans Actes Apôtres chapitre 2, Paul a dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez fui chez Paul, vous allez chez Pierre, vous baptisez au nom du Père. Toujours c'est la confusion. D'ailleurs, Paul lui-même dit quelque part. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 11. Nous avons dit au moins à coup de la terre, et assois moi, Paul. Il peut mini Paul. Et assois les autres apôtres. Il peut tout le bénir. Voilà ce que nous enseignons. Dans la ma vie, tout simplement. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il ne verrait dans l'enseignement des apôtres. L'Écriture ne dit pas dans les enseignements des apôtres. Ils avaient un seul enseignement. C'était vraiment le vrai frère. Le vrai frère qui avait un nommé, un nommé. Alléluia. Vous allez chez Pierre, un nommé. Vous allez chez Paul, un nommé. Vous allez chez Paul, un nommé. Ils avaient la ressemblance comme la ville carrée. Des vrais frères.
Voilà, Dieu. Je les avais un seul et un même enseignement. Regardons la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 17, le bénisme. Jésus-Christ faisait sa prière comme le souverain sacrificateur. Il disait ceci. Je ne prie pas seulement pour ceci. Si on met tout Dieu à Abba, ceux-là c'était ses disciples qui sont devenus des apôtres. Je ne prie pas seulement pour eux. Si on met pas quand Dieu à Abba, ce n'est pas seulement pour eux. Abba pas quand Dieu à Abba. Mais je prie aussi. Micro Martina. Pour ceux qui croiront en moi. Vous avez bien. Là vraiment c'est grave. Pour dire tout simplement, nous entrons quelque part, nous devons vérifier ce que les apôtres sont là. On est bien pas chez moi. Paul est présent. Paul est quoi pour Pierre est présent. Pétro est quoi pour s'ils ne sont pas là. Comprenez que tous ces gens-là, tout droit le chemin de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils ont pris en fait? Maintenant, regardons. Je vais prendre aussi une illustration. Je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. Tout comme Nima Solomon. Chapitre 1er, versets 5 à 6. Sur la base de la table, on va voir. Il y a une femme qui dit ceci. Je suis noire et je suis belle. C'était une femme qui était belle. Mais vous savez l'origine de cette mort. Il faut d'abord savoir l'origine de cette mort. Elle se disait que je suis belle. Mais l'origine de cette mort. L'origine de cette mort. C'était premièrement le soleil. Il toquait les boutures. Deux, c'était les tentes de Kedar. Qui a pire, il m'a aimé à Kedar. Trois, c'était le pavillon de Salomon. Qui a tâte, il m'a aimé. Voilà, je me décris, je vais être exaspéré. Ah, il m'a aimé, il est fait. Je prends seulement les tentes de Kedar. Il m'a aimé à Kedar. Vous dire tout simplement. Les tentes de Kedar, c'était les tentes premièrement qui étaient belles. M'a aimé à Kedar, mais il m'a aimé à la mesure de ça. Et comme ces tentes étaient belles, il m'a aimé à la mesure de ça. Comme cette femme-là était belle, quand il peut le verset 10 à 11, on va intervenir. Il va sur les mains, il dit, il nous sert, il coule pas, il nous va crier, il est gamin, il est membre. Lève-toi, ma belle et vieux, là où ta femme est dans le macho. C'est comme le son de la trompette qui appellera le peuple. Il va s'accélérer. Jacobo, Eva, Jacobo, Rebo, dire tout simplement les tentes qui étaient
toute église qui se lèvera, pour que cette femme soit déclarée belle, il faut d'abord qu'elle soit comparée par rapport au temps. Il faut d'abord qu'elle soit comparée par rapport aux apôtres. Ce sont les apôtres. Cette tante-là, il qui donne la beauté à la femme, afin que la foi d'un homme crie, nous avons pris aussi l'écriture de Genèse. Tu libères pris à la mandico et à Moiseau. Chapitre 11. Sura Kuminamoja. Le verset 2 à 3. Moussaï Wapiri et Pokawata. Vraiment, ils avaient de bonnes pensées. Balikoua la Moiseau, Mazuri. Ils se sont dit. Wakasema. Nous construisons une tour. Tu tiens le menard. Qui monte vers les ciels. En d'autres termes, hein, ils avaient des bonnes pensées. Des bonnes pensées de chercher Dieu. Parce qu'ils savaient que Dieu il est là dans les ciels. Nous devons aller les rejoindre par la tour. Nous devons construire la tour pour chercher ce Dieu-là qui est dans les ciels. Pour les rejoindre. Les pensées étaient bonnes. Mais les moyens qu'ils ont choisis étaient mauvais. Vous voyez, en d'autres termes, pour chercher Dieu, ce n'est pas premièrement les bonnes pensées, mais il faut savoir comment vous cherchez Dieu. À la place de la pierre, et ils ont pris quoi? Ils ont pris la brique. Pour rejoindre Dieu, donc on a l'amour. Au lieu de prendre la brique, prendre la pierre. Référez-vous à Genèse chapitre 28. Là on nous parle de l'échelle. L'échelle c'était aussi comme une tour. Mais l'échelle était bâtie sur la pierre. Il faut premièrement que Jacob vienne avec la pierre. Et à la place du ciment, ils ont choisi les victimes. Ils ont choisi les victimes. C'est là où les choses sont devenues très. Vous voyez, toutes les églises sont semblables aussi autour. En d'autres termes, ils sont en train de chercher Dieu. Ils veulent rencontrer Dieu. Ce n'est pas mauvais de rencontrer Dieu. Mais comment vous le cherchez? Est-ce que vous gardez les ciments? Vous avez choisi autre chose. Vous avez choisi la théologie. Vous avez choisi les pensées des hommes. Parce que l'écriture déclare noir sur blanc. Ils se tirent les uns les autres. En quelques termes, au lieu de consulter premièrement lui-même, ils se sont fait des alliances humaines. Dans le livre des gens,
chapitre 6, le verset 12. Lorsque Jean vous parle de la pierre, il considère la pierre comme étant la force. La force est telle, la force de la pierre. En d'autres termes, la pierre c'est une force. Voilà, que Dieu est une maison qui est bâtie sur la pierre. Vous voyez la différence? Non, pas bon. Maintenant, quelqu'un peut poser la question. Qu'est-ce que veut dire alors la pierre? La pierre, c'est quoi? Je suis dans le livre d'un chronique, chapitre 21. Là, je vois David. David, là, l'éternel, premièrement, c'était irrité contre le roi. Et David est monté sur une montagne. Il a offert un sacrifice. Et lorsqu'il a offert le sacrifice, Dieu a pardonné. En pardonnant, directement l'écriture dira, David, sur cette montagne, là où tu as offert le sacrifice, là où moi l'éternel j'ai pardonné, est-ce que vous comprenez ça? La maison qui est bâtie sur ce mont, cette maison ne sera jamais bâtie sur le pardon, bâtie sur le sacrifice de Jésus-Christ. Cette maison ne sera jamais écroulée. C'est une maison forte, une maison solide. Cette maison ne sera jamais écroulée. Mais allons aussi dans le livre de Jean chapitre, de Matthieu chapitre 16. Nous sommes dans le verset 16 à 18. Nous sommes dans le verset. Là, nous remarquons aussi quelque chose. Là, Jésus-Christ qui a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que disent ces gens ici? Qu'est-ce qu'ils disent à mon sujet? Pour dire tout simplement que Jésus-Christ avait aussi besoin du témoignage du peuple. Comprenez que ce peuple a un témoignage aussi qui le rend à notre sujet. Mais là où on parlera du mal de vous, on ne trouve pas de mal en vous. C'est ce que dit l'Écriture. Et après avoir donné les différentes réponses, Pierre dira, tu es le Fils de Dieu vivant. Et la réponse de Jésus, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre, cette pierre, sur
Pour dire tout simplement, la pierre parle aussi de la vraie parole. La pierre parle aussi de l'esprit de révélation. Et un peuple qui est bâti sur la vraie parole, tel qu'est enseigné par les apôtres, qui est bâti sur la vraie révélation, tel qu'est enseigné par les apôtres, c'est un peuple qui est bâti sur les rangs. C'est une maison qui est forte. Comme nous l'avons dit, quels que soient les temps et les circonstances, cette maison ne sera jamais écroulée. Je compare cette maison à quoi? Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 8. Je vois les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs portaient ce ceinture. Il avait la ceinture au rein. C'était la ceinture de la tunique. Il avait aussi l'autre ceinture sur la poitrine. C'était la ceinture de l'effort. Il portait des ceintures. Maintenant, le micro. Commençons d'abord par la ceinture au rein. La ceinture au rein. Aaron ou les souverains sacrificateurs qui la posent. Est-ce que quand on observait les animaux selon les sacrifices, il y a aussi un animal qui portait la ceinture au rein. Je n'ai perdu aucune. Je n'ai
Seigneur Jésus-Christ est le roi. Voilà pourquoi vous devez bien garder la pierre. C'est l'enseignement qui fait votre force. C'est l'enseignement qui fera que même les malais ne puissent pas vous vaincre. Vous allez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, et de bénédiction en bénédiction. Il me reste, je pense, 5 minutes. Et remarquons. Dans la deuxième partie, là nous remarquons, au lieu du ciment, ils ont choisi le bitume. Or le ciment, c'est le ciment qui devait bien serrer les pierres. Bien serrer les pierres pour que les pierres soient vraiment solides. Dieu ne passe pas la matisse à ma mesure. Tu es soit serré entre elles. Et nous comparons ce ciment-là à l'arc-en-ciel. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Pour représenter une même réalité, Dieu peut parler de mission. Et ce ciment jouait aussi le rôle de l'arc-en-ciel. Ce ciment était un lien qui devait serrer. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14, l'amour est appelé le lien de la perfection. Vraiment, les ciments qu'ils ont rejetés, c'était les liens qu'ils ont rejetés. Ils ont rejeté l'amour. C'est grave si vous rejetez l'amour. Mais ils ont rejeté l'amour. Donc la maison n'était pas bâtie sur l'amour. Et nous disons, nous comparons l'amour à l'arc-en-ciel. Parce que lorsque Dieu a donné l'arc-en-ciel, c'était l'expression de l'amour de Dieu. Cet arc-en-ciel qui devait s'éteindre sur les nuées, c'était l'expression de l'amour de Dieu. C'est comme la pile que Jacob avait donnée à Joseph. Cette pile qui avait plusieurs couleurs. Il est basé, il voit la marine. L'écriture précise, comme le père aimait Joseph, il lui donna l'habit de plusieurs couleurs. Pour dire que cet habit, c'était l'amour du père. Il lui donna l'habit de plusieurs couleurs. C'était l'amour du père. C'est la même chose avec l'arc-en-ciel. Ça, le ciment. Et dans les Écritures, le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 20, il parle aussi du corps. En d'autres termes, ici nous sommes en présence du corps qui possède plusieurs couleurs. Et quand on regardait Jésus-Christ, on devait voir aussi plusieurs couleurs. Parce qu'on devait voir Jérémie en lui, parce qu'on a Jérémie en lui, on devait voir Malachie en lui, parce qu'on a Malachie en lui, on devait voir Moïse en lui, parce qu'on a Moïse en lui, on devait en lui aussi en lui. L'un des prophètes. Attends, quand on dit l'un des prophètes, comment est-ce que vous voyez dire tous les prophètes étaient incarnés en Jésus. Et c'est lui qui était l'habit de plusieurs. Il incarnait tous les prophètes. Et c'est lui l'amour du Père. Voilà pourquoi après sa mort, il dit que vous pouvez dérober les apôtres chapitre 1er, vous m'attendez sur la vous place. Vous posez dans les ciels. C'est l'accomplissement de l'acte qui a été posé sur la vie. Et c'est par lui que Dieu s'appelle et s'abonne. C'est par lui que l'amour de Dieu se manifeste. Et lui qui rejette cette acte-là, et lui qui rejette Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable arc-en-ciel. Mais en parlant aussi de l'amour de Dieu,
chapitre 8. Lorsque Salomon parlait de l'amour de Dieu, il pouvait dire les grandes eaux ne peuvent submerger l'amour. En d'autres termes, l'amour c'est une grande force devant les eaux. Même si les eaux se levaient, essayez d'engloutir l'amour. L'amour a le pouvoir de vaincre les grandes eaux. C'est comme l'arche de Noé. L'arche de Noé ne pouvait pas être engloutie par les grandes eaux. C'était l'expression de l'amour de Dieu. Cette arche-là, il qui était dans l'arche, pouvait dire oh, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur l'arche. Au lieu que nous nous soyons frappés, c'est le bois de ton père qui est frappé. Vous voyez, Esaïe chapitre 53 s'accomplit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Après avoir frappé, les grandes eaux ne pouvaient pas l'engloutir. En d'autres termes, la mort ne pouvait pas l'engloutir. Mais après avoir vaincu la mort, il faut que la montagne d'Arara la terre. C'était le sommet qui était le plus de l'œuvre. Voilà pourquoi après avoir frappé par le sceau, il a été frappé pour nos péchés. Il a été frappé pour nos idées. Même si tu es malade là, Jésus a été frappé pour toi. Et châtiment qui te donne la paix, il a été tombé sur lui. Et par ses maîtrises, ce soir, toi tu es tombé. Comme Jonas qui est sorti de son, et après avoir vaincu, il faut qu'on lui donne la montagne d'Arara. Une montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. En tant que terme, il faut qu'il soit élevé, il est touché nous, il est dit que Dieu est dit à Dieu. Les chanteurs vont nous entonner un cantique. Et nous allons prier. Colossiens 3, verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, Colossiens 4, et verset 2. Colossiens 4. Maintenant, ainsi donc vous êtes ressuscité en Christ. Kama mna kufuka ndani ya Kristo. Cherchez les choses d'en haut. Mutafute vitu vya juu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Mali Kristo acha kuikala ku mkono ya kuume ya Mungu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Mwambatane ku vitu vya mbinguni. Et non à celles qui sont sur la terre. Hapana vile viko pa bulongo. Car vous êtes mort. Kwani mlikufa. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Na maisha yenu pia kuficha na Kristo ndani ya Mungu. Christ votre vie. Kama maisha yenu wakati atonekanika. Alors vous paraîtrez aussi. Na mwemo tonekanika pamoja naye. Na gloire. Ndani ya utukufu. Que le Seigneur a béni cette lecture. Bwana bariki miandiko. Soussignons ce temps que nous tambola toujours annoncer la parole. Uzuni yetu wakati tuna temetu natangaza neno. Eza poyo okoma parole. Ni wewe ujeuke kwe neno. Parce que la Bible déclare les ciels et la terre passeront. Bwana Biblia imesema mbingu na dunia. Mais la parole ne passera pas. Na neno ya itapita. Et Jésus a le mieux ya kukroire na ye il ne passera. Na Yesu asema ula tamwamini achita. Il a bilie pa kukroire na ye akokoma parole. Ni kusema ula tamwamini atakuwa pia. Yawalombi, vous êtes la lumière du monde. Muko nuru ya dunia. Alobite, vous êtes les lumières du monde. Aseme muko ma nuru. Oh, la lumière c'est Jésus. Wani nuru ni Yesu. Donc vous êtes Jésus. Muko Yesu. Monde d'aujourd'hui. Mutuni hapa. Donc ce qui passe ici, puis soignons sur ma chrétien. Kama ma chrétien si bote wa minifu. Bah ou pas au courant na bonne parole. Bah ou pas na
sommes Jésus-Christ. Vous êtes la lumière. Donc c'est que pour comment cette lumière, parce que ce sont des écritures qui ont caché la pensée de Dieu. Donc, la Genèse 11. Le verset 2 à 3. Va parler dans deux sortes de chemin pour aller au ciel. La pierre va soit brique. Qui obéit la parole. Comme on a tout parlé non. Otie brique. On a bien parlé d'affaire. On a ouais. On peut aussi s'identifier dans nos langues briques. Na ouais. On ne peut pas parler ville d'affaire irico. Na zozo un texte. On a bien parlé d'andiko. Na Ézéchiel. Qu'est-ce qu'Ézéchiel? Chapitre 4. Musura yaine. Parce que ma complète révision est non. Na place y a ciment à tier bitume. En face y a ciment. Bon, ben, na kweka bile, kabouyou. Il faut y ba, ba mouvement n'y a son état au temps pour la awa, tout en la marche. Ouais, on va te bisous, il est tout bonné, na mouende, on est pour la même. Donc, le prédicateur, mobile, attendez si nous sommes que, attendez ça, c'est bon. Ciment et eau aidé comme joint. Ciment, il faut la saigner à ouvrir. Ils ont sangli ça. Donc, ils ont comme une facilité lien. Ils font la saigner, ils ont pour moi pas d'anneau. Donc, c'est ça et là qu'on a eu l'air de se réunir comprendre. Donc, il n'a pas choisi le relais, oui. Parce que ce que c'est le temps. T'as ma ouvrage. On a quand même la difficulté dans ce là à mon bébé pour tout le temps. Ou t'as pas la tatille, je vais te dire, je vais te dire. Sommet pour la
Enseignement à ma paix. A commis cet enseignement.
Mena placé et bendé entre yo na desewan. Ebende wana wana ya perwa. Ile kibumbazi la kiumu. Yeza Levitique 26. Le verset 19. Ile 19. Soko tangi verset 14 à 16. Kama na soma 19. Soki Israël a rejeté le commandement. Kama Israël anatupa amri. Parce que la temps où Israël a rejeté le commandement. Kwani kwa hiyo wakati alitupa amri ya Mungu. Mais déjà Levitique lobela kama. Sasa walao ilipaswa kuisemezea. Soko rejeté commandement. Kama anatupa. Je rendrai le ciel comme du fer. Mitenda fanya mbingu inakuwa sa kiuma. Place wana Ezekiel aza comme de l'eau qui est au-delà du ciel. Inakuwa sa Ezekiel ya kuwa yulu ya ile nye imarieka ile. Ezekiel aza comme Dieu. Anakuwa sa Mungu. Qui se cache. Ula nalifuja. Kombi. Po Israel akomi brique. Kwani Israel pia anakuwa sa litafuari. Donc, tant que vous n'êtes pas compris, il n'a plus Dieu. Il n'a plus Dieu. Il n'a plus Dieu. C'est là-bas où ils ont été. Maintenant, il faut que vous ayez un Motia tani sagi biso. Mubira tuoneshe. Batu bayokani ensemble. Ase batu banapatana. Boyokani balance. Banapatana banafanya kanzo. Tufanye. Bayokani. Banapatana. Mais c'était pas poussé par l'esprit. Aina abakusukumia na roho. Koyokana ensemble za balance zimene. Magano ya bumuntu. Tango tuzuta na mwana Genesis 11. Wakati unasoma katika Mwanzo. Soit verset tango la mwana Lubumbashi. Beba ile niandiko zunguka na Lubumbashi. Ezana batu basangani na bango kaka sans mandat du Seigneur. Huko bantu banakutana bila kutumiwa na Mungu. Donc ils se sont entendus. Banapatana. Mais zambe tinga tinga. Aina Mungu ndio arabahusu. Et bakozua la pierre. Na batabeba lijue. Banatupa. La pierre. Lijue. Eza frère Seigneur. Ni neno ya ukweli. Otari in eglise. Unangaramu kabisi. Mitupolele. Kumbisha vya banamote. Basha vya banamote. Basha kutosha. Basha vya banabiju. Yema kake. Bangone usone bazaro baza. Le frike. Vile bote vyeko vile. Niri tapu. Kwa use vese. Sa vile vya. Kupona bango. Tuli abu. Le veritable Ezekiel a ferme. Nikuseme Ezekiel wa kwena na funga. Amen. Amen. Uzono na wana. Parce que va rejeter la parole. Banatupa neno. Tala, Lévi ne connaît pas son père ni sa mère, ni sa frère. Là oui, a joué le baba qui est ici et qui sont pour l'Éternel. Pas à Moïse, comme la chose. Alobi. Boma mutunyo so abebi. Kuwa wale wote anaribisha. Ata sokeza na tante nini hapo. Ata kama ni ya ema kani atabeba kiswa na huo. Donc pour dire quoi? Bisoto sala lo la teba tu bakota. Si, a tu fait que bingo jo batu bingi. Mutanobaki, je vais vous préparer une place et ça Jésus. Oula la kamata me. Alors tu arrives à pas ni est. Parlo kakaye. Ni pakaye peke yake na. Mbele mu bingo. Dunia generation generation. Kizazi na kitakangaza na place hapo cha. Yeye jo alitarisha fash ya kuweka bantu. Soko tosi yeti wana lebiche rejendre wa. Kama mutia mwana seta rudi. Mungu zwa plus kuna. Uwe kuna una nafashi. Ya mungu ni bate ibiso. Kama na kupi ya tante Jacob. Ile kusema urembo. Ile kusema ya Jacobo. Na Seigneur a sete verse. Ule mungu alilituwa ngamo. Na kati ya mabote. Ndani ya taifu. Wa parolo zamba pesi na apostola na la Bible. Neno hivu wana latuma kuwa tume na la Bible. Ile fo soko zali. Un fils de Dieu, là où on voit la moumou, une fille
tienne, c'est la bonne parole. Et ça vrai enseignement. La bonne combatte la vie. Il est taïfa, t'as dit. Bonjour,